Psalm 117. Psalm 117. We are going to read together. Dans le psaume. Let's go one. Praise the Lord, all you Gentiles. Loud him, all you people. For his mercy, for kindness is great towards us. And the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This morning we'll continue. To visit the prophecies. Ce matin, nous allons continuer à visiter les prophéties. So, prophetic prayers this morning. Des prières prophétiques ce matin. Say, praise the Lord, all you Gentiles. Dis louez l'Éternel, ô vous les gentils. Loud him. Célébrez-le. Because some of you, you read loud him, you say load him. You don't understand that word. Loud him. Célébrez-le. Celebrate him. Célébrez-le. Praise him. Louez-le. Honor him. Glorify him. Glorifiez-le. Magnify him loud. Magnifiez-le plus haut. Loud him. Célébrez-le. All you people. Oh, vous peuples, tous For les peuples. His merciful kindness is great. Car sa bonté pour nous est grande. It's very great. Elle est très grande. His merciful kindness is so great. Sa bonté pour nous est grande. If you will count, si tu peux compter, his blessings upon your life. Sa bénédiction dans ta vie. I'm telling you, you will be surprised that this God has done great things. Jesus is good. You see, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Hallelujah. Il dit que la vérité de l'Éternel demeure à jamais. So we are going to pray this morning. Alors nous allons prier ce matin. I said it's prophetic prayers. J'ai dit que ce sont des prières prophétiques. And prophetic prayers are prayers that are done by faith. Et les prières prophétiques sont des prières faites par la foi. And affirmation. Et l'affirmation. Of what God has said. De ce que Dieu a dit. It's an affirmation. C'est une affirmation of faith. De foi. Rooted. Enraciné. In the infallible word of God. Dans la parole de Dieu infaillible. He has said he will do something. Il a dit qu'il fera quelque chose. And we are going to remind him of those things he will say he Et nous will allons do. Le rappeler de ces choses qu'il a dit qu'il fera. And he will do it. Et il le fera. Genesis chapter 9. Genèse chapitre 9. Verse 1 and verse 2. Verset 1 et le verset 2. Genesis. Genèse. Chapter 9, verse 1 and 2. Chapitre 9, verset 1 et 2. So God blessed Noah and his sons. And said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the ground, and on all the fish of the sea. They are given into your hands. It's a prophecy. C'est une prophétie. And it worked. Et ça a marché. It will work for you. Ça marchera pour toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
So we're here this morning to decree things. Alors nous sommes là ce matin pour déclarer des choses. As God declared, comme Dieu a déclaré, it came to manifestation. C'est venu à la manifestation. So shall we declare this morning? Ainsi nous allons déclarer ce matin. Because the son of the lion is lion. Parce que le fils du lion c'est un lion. The son of God is God. Le fils de Dieu est un Dieu. You live the way your father lives. Tu vis comme ton père vit. So you're going to make declarations this morning. Alors tu vas faire des déclarations ce matin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And when you are doing it, you believe it. Et quand tu le fais, tu crois en elle. Pray with a good measure of faith. Prie avec une bonne mesure de foi. God is moved to respond to prayers of faith. Dieu est poussé à répondre aux prières de foi. If you are praying with just your lips, you will not have any answer. Si tu pries seulement avec tes lèvres, tu n'auras pas de réponse. But when you pray with your heart and believe, mais quand tu pries avec ton cœur que tu crois, God will do something great. Dieu fera quelque chose de grand. Today is the 20th day. Aujourd'hui nous sommes le 20e jour. So it is already finished. Alors c'est déjà fini. It's just remaining few days for us to finish. Il ne reste plus que quelques jours pour finir. Some of you, your marrows are getting dry. Certains d'entre vous, your marrows, the vitamins in your bones are drying. Les vitamines dans vos corps se sèchent. I said in the bone. Dans vos os se sèchent. But after this. Mais après ceci, the dry bones, les os sèches will come back to life. Vont revenir à la vie. God will do something. God will bless somebody in Dieu this fera season. Quelque chose. Le Seigneur bénira quelqu'un en cette saison. Amen. Amen. So God blessed them. Alors Dieu leur a béni. He blessed Noah and his sons. Il a béni Noé et ses fils. And said to them, et il leur a dit, be fruitful, multipliez-vous, and multiply, et remplissez la terre, and fill the earth. Soyez féconds, multipliez. Christ's image. Christ, image de you Christ. Must be fruitful. Vous devez être fécond. You must multiply. Vous devez vous multiplier. You must fulfill. Fill the earth. Vous devez remplir la terre. It is the will of God for you. Ça c'est la volonté de Dieu pour vous. Multiplication. La multiplication. Means increase. Veut dire l'accroissement, la croissance. Somebody becoming rich. Quelqu'un devenir riche. You have 1,000, it increases to 1 million. 1,000 francs, il augmente à 1 million, 2 millions. Millions. Des millions. Amen. Amen. We are five of us by the end of this time. The church is filled with people. Nous that is increase. Nous sommes cinq, mais à la fin de ce temps, nous serons plusieurs. So ça, c'est la croissance. We're going to experience spiritual increase. Alors, nous allons expérimenter une croissance spirituelle. Financial increase. Des croissances financières. Increase in wealth. La croissance dans les biens. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We're going to increase numerically. Nous allons croître numériquement. So all kind of increment will we have them. Alors tout genre de croissance nous les aurons. Because the Lord his mouth have said it. Parce que l'Éternel de sa bouche l'a dit. Hallelujah. Amen. He said, and the fear of you, and the fear of you. That is in verse 2. Au verset 2, vous serez un sujet de crainte. And the dread of you. Et de froid pour toi. I like the way he say it. J'aime la manière dont il le dit. He didn't say they will fear you. Ils n'ont pas dit qu'ils vont te craindre. It means you will grow to a point that you will develop something that will be terrifying your enemy. Ça veut dire que tu vas développer jusqu'au point que tu auras quelque chose qui va terrifier tes ennemis. So when they see you, alors lorsqu'ils te verront, like somebody who sees a lion, comme quelqu'un qui voit un lion, there is something in the lion. Il y a quelque chose dans ce lion. He has fear in him, a dread. Il a la peur en lui. So God is saying this morning. Alors Dieu dit ce matin. The fear of you. La crainte de toi. And the dread of you. Et l'effroi de toi will come upon your enemies. Viendra sur tes ennemis. Somebody say a bigger amen. Amen. If you believe what I'm saying, si tu crois en ce que je dis, he says it shall be on every beast of the earth, on every bird of the air,
on all that move on the earth, and all the fish of the sea, they are given into your hands. That means you will come to be the controller. Ça veut dire que tu seras le contrôleur. You will not manage life. Tu vas pas gérer la vie. You will direct life. Tu vas diriger la vie. There is different from manager and director. Il y a la différence entre le manager et le directeur. Somebody here is a manager. Quelqu'un ici est un manager. It means he doesn't have enough. Ça veut dire qu'il n'a pas assez. So you are trying to manage what is there in order for it to suffice. Donc tu essaies de gérer ce qui est là afin que ça suffise. But the director, mais un directeur, stands apart. Les choses sont gardées. Take this one, take this and put there. Prends ceci, prends cela, take this là-bas. And put there. Mais prends do ceci, this to là-bas. That person. Fais ceci do à this cette to personne. That. Do fais this. Ceci à ça. That is directing. Ça c'est diriger. Because the things are already there. Parce que les choses sont déjà from là. Today you stop à being managers. De tu arrêtes d'être des managers. You stop managing life. Tu arrêtes de manager la vie au nom de Jésus. L'Éternel va te libérer au nom de Jésus-Christ. Abundance of wealth. L'abondance des biens. Abundance of life. L'abondance de la vie. Jesus said, I am come. Jésus dit, je suis venu. Alléluia. Amen. That you might have life. Afin que tu aies la vie. John 10, 10. Jean verset 10. And Jean that 10, you might have 10. It in full. Et que tu l'aies en abondance. In abundance. En abondance. Amen. Amen. It is not just a saying. Ce n'est pas seulement une. It's a matter of fact. Ce n'est pas un dit, c'est un fait. It's a matter of fact. C'est un fait. God will do it. Dieu le fera. Whatever he say, chaque fois qu'il dit this is what I'm going to do, que voici ce que je ferai, he will do it. Il le fera. Amen. God is all-sufficient. Amen. God. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. God, Dieu tout-puissant. God of abundance. Dieu de l'abondance. Amen. Amen. Are you still following? Amen. Est-ce que vous suivez encore? God will give you to live in abundance. Dieu te permettra de vivre dans l'abondance. In the name of Jesus Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. So we're going to pray this morning. Alors nous allons prier ce matin. God to do what he has said he will do. Afin que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il fera. This 2022. En cette année 2022. Many words have been released into your life. Beaucoup de paroles ont été dites dans ta vie. The Lord will bring it to pass. L'Éternel amènera, l'accomplira. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today. Aujourd'hui, we are not remembering COVID-19 again. On ne se souvient plus de la COVID-19. Sometimes when I want to enter the bank, des fois quand je vais entrer à la banque, that is when I start to look for people that are selling cash-nay. C'est à ce moment que je commence à chercher les gens qui vendent les cash-nay. But you remember? Mais vous vous rappelez? When we were locked up in the house. Quand on était confiné à la maison. Even our pastor ran away. Même notre pasteur a fui. But God have already told us. Mais Dieu nous avait déjà dit. That you will not die. Que nous n'allons pas mourir. In his presence a fullness of life. Que dans sa présence il y a plénitude de joie et pour toujours. Children of God, you will not die a shameful death. Enfants de Dieu, vous n'allez pas mourir une mort honteuse. Children of God, you will not die a painful death. Enfants de Dieu, n'allez pas mourir une mort douloureuse. Our death is just transition. Notre mort est juste une transition. And that will be when you have fulfilled destiny. Et ça, ce sera quand tu as accompli la destinée. It doesn't matter the agitations of the wicked. Peu importe les agitations du méchant. The Lord will establish his own. L'Éternel établira le sien. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. So the Lord will